Salut, salut les gars, voilà, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Lusson 225 et moi c'est de Sam Hospita. Et si c'est la première fois que vous voyez ma tête, voilà, vous devez savoir que ici sur la chaîne YouTube, je donne des informations sur les bourses et puis on aide aussi à les postuler. Donc il y a un groupe et nous aidons vraiment à postuler pour ceux qui sont pas, qui ne maîtrisent pas, voilà, ou bien pour ceux aussi qui veulent avoir des personnes assez expérimentées dans le domaine pour pouvoir postuler. Parce que une chose est de pouvoir retrouver des sites. Et une chose aussi est de pouvoir savoir un peu les techniques pour pouvoir les faire. Et aujourd'hui, je reviens encore sur le thème de la bourse de Russie. J'aimerais dire comme ça à ceux, parce qu'il y a ceux qui ont obtenu, ça c'est les Maliens, ça c'est l'exception que je fais, les Maliens et les Nigériens, ceux qui ont obtenu la bourse, ils avaient obtenu, ils étaient dans le quota de la bourse, mais actuellement, il y a des messages qui viennent pour leur dire que, qu'ils ont des éléments qui manquent et tout ça. Et s'il y a des éléments qui manquent, faites, je vous l'ai dit, pour ceux, tous ceux qui m'ont écrit en inbox, je vous ai dit, faites de la même manière qu'ils vous demandent. C'est-à-dire, si on vous dit que votre diplôme de baccalauréat n'est pas bien visible et tout ça, et que vous devez envoyer à un mail, faites le scan du diplôme de baccalauréat et puis mettez et envoyez au mail. Il n'y a pas de problème, vous comprenez? Voilà, vous êtes déjà dans le quota, alors il n'y a pas de problème pour ça. Alors, à côté de ça, je suis en train de faire un peu une vidéo pour dire à ceux qui n'ont pas reçu la bourse, j'avais déjà dit auparavant que ici aussi en Russie, vous pouvez recevoir des bourses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, moi, je prends un exemple. Moi, par exemple, je quitte la Russie, je quitte mon pays en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas eu de bourse pour pouvoir étudier. Et c'est un exemple que je prends. Et je viens ici en Russie pour les études. Une fois que j'arrive, d'abord, il y a une année de langue russe. Les gars, n'oubliez pas, essayez de liker la vidéo, c'est assez important. Likez la vidéo et puis aussi, essayez aussi de partager. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je viens en année de langue. Voilà, donc l'année de langue, arrivé là, vous allez faire des cours. Mais attention, attention, choisissez une université. Prenez des renseignements. Choisissez une université où vous pensez que l'université fait quoi? Donnons des bourses ou bien faire participer des étudiants à des bourses pour que vous puissiez faire la licence après l'année de langue, faire la licence ou bien le master avec ces bourses-là. Parce qu'il y a deux types. Il y a des universités, lorsque vous allez, quand vous êtes étudiant étranger, que vous arrivez là, ils vont vous donner des bourses pour que vous puissiez faire la licence eux-mêmes. Mais en réalité, ils vont vous évaluer parce que si vous êtes 50 et qu'il y a 20 places pour les bourses, ça c'est à l'interne, ils vont vous évaluer en fonction de comment est-ce que vous allez vous comporter dans l'université en année de langue et combien vous allez avoir si vous êtes studieux ou pas. Donc, il y aura deux critères. D'abord, comment est-ce que vous allez vous comporter dans l'université? Et en second, comment est-ce que vous allez travailler, vous allez rendre ce qu'ils vous disent ou bien ce qu'ils vous donnent en tant qu'étudiant étranger en langue russe. Vous voyez? Et ça compte. Déjà, si vous commencez en septembre ou bien en octobre, vous allez voir que ce concours-là va se passer en avril-mai. Avril-mai, vous avez déjà un statut pour savoir si vous serez boursier pour septembre prochain ou pas. Vous voyez? Donc, lorsque vous allez venir, une fois que vous avez choisi l'université qui vraiment donne des bourses, vous voyez, ces universités-là, lorsque vous choisissez, vous allez dans l'université, vous étudiez normalement et vous devez être très respectueux envers les professeurs. Voilà. Et quand vous finissez, en avril, il y aura un concours. Il y a des universités, c'est un concours. On vous dit concours de mathématiques et ceux qui valent le concours de mathématiques, alors voici ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir une bourse l'année prochaine. Maintenant aussi, il y a des universités qui remarquent bien les étudiants qui sont travailleurs dans l'université, vous voyez, ou bien qui participent aux activités de l'université et on vous dit l'année prochaine, ok, vous n'allez plus payer de scolarité, nous on vous donne une bourse pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller étudier. Voilà, donc il y a ces universités là. Voilà, donc si vous devez venir vraiment pour étudier,
préparez-vous au moins pour 2 ans. La première année, une fois que vous recevez l'université, ça va vraiment vous aider à pouvoir faire vos cours l'année prochaine. Voilà, donc ça aussi, c'est pourquoi je dis de ne pas vraiment vous décourager. Il y a plusieurs moyens pour pouvoir avoir des bourses, seulement il faut savoir comment faire, c'est tout. Voilà, donc les gars, c'était moi de Sam Hospital. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, laissez-les en commentaire, je vais essayer de vous répondre. En ce qui concerne les Nigériens et les Maliens, vous avez reçu des messages actuellement pour dire que voilà, ceux qui ont les documents qui sont déjà bien, qui sont dans le quota et qui ont les documents qui sont déjà bien arrangés, il n'y a pas de problème, on vous laisse passer. Maintenant, eux, ils ont repris les documents, ils voient qu'il y a des éléments qui ne marchent pas bien, c'est pas très visible, il y a des éléments qui manquent. On vous dit juste, ces éléments qui manquent là, essayez de les recadrer un peu ou bien renvoyer ces éléments-là. Ils ont déjà donné un mail. Donc, faites ces éléments-là et puis renvoyez-les. Maintenant, si vous avez des complications, des problèmes, laissez-les en commentaire, je vais vous répondre. N'oubliez pas, il y a un groupe aussi WhatsApp. Là-bas, le groupe WhatsApp, je prends vraiment le temps de répondre aux messages. Je prends le temps d'envoyer les liens que je mets en statut WhatsApp aussi là-bas. Donc, si intéressé, ce n'est pas obligatoire, mais si vous êtes intéressé, il y a les conditions à suivre. Vous pouvez m'écrire inbox au numéro qui s'affiche là. Et puis, on va essayer de voir comment est-ce qu'on doit gérer ça. Donc, les gars, c'était moi de Sam Hospital. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225.